Bonjour, si comme moi vous avez besoin d'installer les pilotes ROG Chip, ROG USB pour notamment router une tablette et que vous avez eu des difficultés pour les installer sous Windows 7 ou 8, je vais vous montrer un petit peu comment réaliser cette installation. Donc vous branchez votre tablette, vous l'allumez et vous vous rendez dans le gestionnaire de périphériques, c'est-à-dire cette fenêtre. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton démarrer, ensuite clic droit sur ordinateur et on choisit gérer. On arrive sur cette fenêtre et ici on retrouve le gestionnaire de périphériques. Lorsque le pilote n'est pas installé, vous allez retrouver votre device avec un panneau danger jaune. Donc on fait clic droit dessus, mettre à jour le pilote. Sur cette fenêtre, on choisit rechercher un pilote sur mon ordinateur. Ce qui suppose qu'on a préalablement téléchargé les pilotes, bien sûr. Et on arrive sur cette fenêtre qui est très importante. Dans cette fenêtre, il ne faut pas choisir le chemin ici du pilote. Ça ne va pas fonctionner. Il faut choisir ce menu qui est écrit choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur. Là, on clique sur disque fourni et c'est ici qu'on va parcourir et voilà, choisir le chemin du pilote. Donc on va dans le dossier du pilote en question qu'on a téléchargé, driver, on choisit la version 64 ou 32 bits, la version de Windows et le fichier. Et on clique sur ouvrir. Et ensuite on n'a plus qu'à suivre la procédure jusqu'à la fin. Moi, je ne vais pas le faire parce que le pilote est déjà installé, mais avec cette façon-ci de faire, le pilote va être installé, la tablette va être prise en compte et vous allez pouvoir procéder au routage de celle-ci. Voilà.